c'est désormais officiel. L'album Formule 7 Rumba de Fally Ipupa est certifié disque d'or en international avec plus de 100 000 albums vendus. Snap France a certifié cet album. C'est officiel. Bravo à Aigle et félicitations encore. C'est-à-dire la musique qui a fallu, n'est ici un imam mis à battre. Ma performance au assis à sali. Ils ont compris que ma courasou y a monté. Parce que ma équipe n'a pas le bon. Aïe, bon, y a maté. Aïe, azara danser. Aïe, azabou, azabou, azabou. Mais ma comprendre que Aspirana et Simba souté. Ils se sont maintenant décidés. Il y a un peu de détruire l'image de Fally sur le plan de comportement. C'est-à-dire qu'il y a Fally dans le bateau. Salut à tous les warriors du monde, des meilleurs fans. Marc et Fouch avec élégance. D'abord, on est côté des gens de Kabomona. Du Cap la Merveille. Donc, on est parce qu'on a deux événements qui sont au Boyébi. Le 6 dans Lyon, le 13 dans Bordeaux. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre bel et bien humble serviteur, le master de la presse, le défenseur de l'artiste et musicien Fally Ipupa et porte-parole de tous les warriors dans le monde. Et prochain numéro de cette émission, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler de l'artiste et musicien Fally Ipupa. On vous a mis de l'eau dans la bouche. D'abord, je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification comme d'habitude et de rester jusqu'à la fin parce que je vais parler vraiment très 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 fort aujourd'hui. L'élo m'a assassiné Kobeta à niveau moro. Donc, restez jusqu'à la fin et à boire et à manger. Bota la bena vidéo, tina opé, ça va remerciement et à souka. Je vais demander aux warriors solitaires. J'arrive pour la LDLC Arena et aussi Arke Arena. Mon numéro est là. C'est lui qui veut soutenir le voyage de Master. C'est lui qui veut soutenir le Master de la presse pour faire un grand boulot et un très bon boulot pour vous. Contactez-moi sur WhatsApp, appelez-moi. Botindaba aide Nabino. Vous pouvez mettre vos aides même ici sur YouTube. Ça va me parvenir. Il y a l'option ici. Je ne sais pas, c'est quelque part ici, option pour aider. Mettez vos dons, faisez vos dons. Ça fera tellement plaisir parce que je vais faire cette fois-ci un travail. Un très bon travail, des images propres, des images vraiment en caractère 4K, donc des caméras, tout son babamato, siasika, équipe Mobimbe Yapena. La France, ça va faire du bien. Les numéros là, contactez le master, bah, warrior, on est solo, bah, tout haut, bah, l'obéla, bazara pena, bah, ta fali pena, quoi. Contactez-moi, botine d'abadon, nabino, bah, aide nabino. Ça va faire plaisir, merci. Fally Ipupa, je vais vous mettre déjà de l'eau dans la bouche. Formule 7. Est certifié disque d'or en expo, plus de 100 000 streams, plus de 100 000 albums vendus en équivalence. Et aussi Nicolo de Fally Ipupa en featuring Nino. Et aussi la chanson Amore certifié, tous les deux, single d'or en expo en international. Félicitations, nous allons parler de ces sujets-là. Toroloba, parce que son tolobité est comme le roi, toi, baba, baba, zate, on va parler. Donc, c'est pour ça que je vous demande de rester jusqu'à la fin. Il y a des choses à dire. Fally Ipupa, le premier, tout premier album Rumba à être certifié. Disque d'or, single d'or. Félicitations encore. On croise les doigts que Meide aussi sera
dans Nabaligné au CAC. On va vous montrer qu'est-ce qui fait que Fally Poupa est certifié. On va prendre la première vidéo de cette émission. À la fin, on va prendre Vincent Tulisé. On va prendre son intervention. On va parler de ces sujets-là et des disques d'or en même moment. Donc, on prend d'abord la première vidéo avant de vous lire ce qui compte. On va d'abord vous montrer qu'est-ce qui donne à Fally Poupa des disques d'or. Et puis, on va lire l'expo. Et puis, on va aller à la dernière vidéo qui va faire vraiment très grave, très mal. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on prend la première vidéo de cette émission. Prenons la vidéo maintenant. INJ Arena. Bon, moi, je m'en rappelle ça, la Rafali va dire qu'elle doit plein à bout. Ma vraie warrior. Oh, plein à solo. Sold out, il y a solo. Na ma plaque, ma PC, il y a, sale. Musique, il y a solo. Bota la sortie artiste. Bota là. Quand l'aigle survola la Belgique. Spectacle. Bota la binomo. Aigle, oh ya. Et Mati. Bah, il n'y a pas blessé créateur, mon robot, tu n'es pas bloqué, non. À Mathia, il est pénant. C'est ce qui fait la différence entre Fally Poupa. Il fait des shows, il ne fait pas des concerts à la communauté. Bota la bille, mon. En avant. Elle. Disque d'or dans ma boucle, formule 7. Quand t'es bon, t'es bon. Il a dit ça, aigle. Quand t'es bon, t'es bon. Les élus de Dieu, aigle, je n'y manque depuis la Norvège, il n'y a Fally, à mode sans, Fally, non, 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 hey, sans Fally, non, 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 ma disque est d'orable, non, 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 on y va, hey. J'ai tellement envie d'aller au 7e ciel sans redescendre. Je On se connaît dans ça, le goût de ça. Yoka public, aigle. Banzem Bobo Skolo, Herva et Mbago, les gars, Fallouan Loki. Ah ouais, enfin. On y va.
va aigre. Eh, disque d'or dans ma boque. Non, 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 non. Yo kabilenga bo siko eh. Ok, na na zongi la bilenga pari la défense arena to bina kabwe. Na bossa na ki boulo. Voilà pe sa so bilengi moko na besen moko incroyable la bouki be disque d'or. Sa pali no sa. Vous avez senti un artiste sans demi-ton, sans hors gamme, sans crier. Il est en train de chanter à la gamme. Azoïmba na note ya musique. Il est en train de respecter ce qu'on appelle des énormes musicales. Il est en train de respecter le tempo dans la musique. Il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin. Ah non, il chante, il touche les cœurs. Chanter, c'est communiquer, surtout le concert, c'est communiquer d'être en relation entre l'artiste, eux, les fanatiques, ou soit les gens qui sont venus regarder le concert, parce que forcément, tout le monde n'est pas fanatique hein, quand on vient regarder le concert d'un artiste. Mais si un artiste n'arrive pas à communiquer, si un artiste dans son concert, les gens qui sont venus lui voir sont en train de dormir, mais c'est grave. Un concert, c'est un show. Tu dois attirer l'attention. Quand il y a un concert, une personne n'aura même pas l'état. Une personne doit commencer à avoir le sentiment de ne pas tout voir. Voilà. Comme moi, j'avais à Paris. Je n'ai pas tout vu. Mais j'étais là. Pourquoi? Parce que ça partait de gauche à droite. Ça partait de part et de l'autre. C'est ce qui marque la différence entre des grands artistes et des petits artistes. C'est ce qui marque la différence entre un show et un concert. Un concert, tout le monde peut le faire. Tu viens, tu mets des micros, tu chantes pour toi-même. Un concert, c'est un show. Surtout dans des arénas comme ça. C'est un show. Vous avez vu l'entrée des Fally. Vous avez vu, ils chantent, le public qui sont là. Tout le monde a envie de voir. Tout le monde est tenté de crier. Un artiste doit donner des frissons aux gens. Un artiste, quand il sort, c'est vraiment un art. Surtout dans des prestations scéniques. À l'américaine, quoi. Comme on voyait Michael Jackson à l'époque. C'est tout le monde qui crie. Il y a des gens qui s'évanouaient. Donc, Fally Ipupa a compris le secret de tout ça. Et c'est ce qui fait la réussite et le succès de l'artiste. Ce qui fait sa réussite et son succès et la compréhension de la musique, il connaît, il sait comment toucher le cœur. C'est pour cela dans la chanson, il a dit, quand tu es bon, quand tu es nul, tu es nul. Nous, nous sommes des élus de Dieu. À part son talent, à part son savoir-faire, l'artiste, c'est un élu de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas à tout le monde. Dans chaque génération, dans chaque domaine, il faut qu'il y ait un seul leader, il n'y a pas deux. On a vu Davido et Wizkid se battre comme des deux leaders, mais à la fin, il faut qu'une seule personne puisse gagner. Au sort, si entre vous deux, il n'y a personne qui peut gagner, une troisième personne va se rajouter qui va vous battre tous les deux. C'est ce qui s'est fait. Bournabo est venu, Rema est venu. La rivalité entre Davido et Wizkid, personne n'en parle encore. Parce qu'il y a Bournabo, il y a Rema. Les gens qui se sont rajoutés. Donc, dans le domaine des Fally au Congo, en Afrique francophone, c'est lui le leader de cette musique-là. Chercher ou pas, accepter ou pas, c'est comme ça, c'est Dieu qui a établi ça. Il n'y a aucune personne qui va faire mieux que lui. Et c'est normal, c'est son temps, donc c'est son temps. Et le pire encore, comme il est un élu de Dieu, il est encore talentueux. C'est ça votre cauchemar. Ce cauchemar est que l'artiste Fally Ipupa est pas seulement, non seulement il est le lieu de Dieu, mais il est aussi talentueux. Il sait faire la musique.
Il sait faire un concert. Il sait s'habiller, il est beau. Il sait prendre soin de lui. Il ne boit pas, il ne fume pas. Vous n'allez pas voir Fally dans des scandales de femmes. Il sait faire passer le message, même s'il chantait en lingala. Formule 7 aujourd'hui certifié disque d'or en international. On va parler. Il sait toucher les cœurs même des étrangers en chantant en lingala. Parce que Formule 7, c'est un album 100% rumba. On va vous montrer quand on parle de toucher le cœur. Comment est-ce qu'il fallait pour passer communiquer et toucher le cœur des fanatiques, même si ce sont des étrangers. On va vous mettre une vidéo d'une Mexicaine. Elle-même, elle a partagé le sentiment dans ses réseaux sociaux de dire Mexicaine, mais ma chanson préférée est Afsana. Afsana, c'est une chanson rumba tirée de l'album Formule 7 qui est certifié disque d'or aujourd'hui. Rumba. Premier album rumba à être certifié disque d'or. Reconnu par le Snap. Donc, reconnu par le Snap France. À part ça, on a aussi Amor et Elicolo qui sont certifiés tous les deux single d'or. Prenons la vidéo et puis nous allons aller dans d'autres sujets de cette émission. Prenons la vidéo, regardons très bien. Prenons la vidéo maintenant. Non, il n'y a pas les sons. Excusez-moi. Ça n'a son trop, mais c'est pas grave. Donc, prenons la vidéo maintenant avec le son. Regardons très bien. Paris la Défense Arena. Mayday. Rumba kak. Yoana. Ma piscine à drapeau. Voilà, mesdames et messieurs. C'est des choses pareilles qu'il fallait pour passer mettre la différence entre son niveau et le niveau des locaux. Fally Ipupa, tu es redoutable, tu es une fierté de toute une nation, tu es une fierté de tout un peuple. Tu fais passer le message grave, il a dit je vais vous faire chanter en lingala, je vais vous faire parler le lingala, vous allez écouter la rumba, Fally a promis à ces gens-là aujourd'hui, c'est fait. Elle est mexicaine. Elle ne comprend pas, elle ne maîtrise pas le lingala, mais elle apprend à cause des Fally. C'est pas seulement celle-là. On a vu des challenges, des chansons SL, de Mayday, toutes les chansons de Fally Ipupa de l'album Formule 7. Formule 7 ne pouvait seulement être certifiée. Ça sera aussi certifié en France. Je vous avais dit toutes ces choses-là. Si vous avez, sous besoin de la mémoire morale bien, je vous avais dit que l'album Formule 7 sera le premier album rumba à être certifié. Regardez les résultats. La vidéo que je vous ai mis, la première vidéo, c'était UNG Arena. La deuxième vidéo, c'est Paris La Défense Arena. Ces gens-là ont acheté leur billet. Moutouana, Fiwana, Bomona, Oyemba, Afsana, Oyemba, Mede, Obi, Nazo, Lela. C'est une Mexicaine. Une Mexicaine. Fally l'a fait sans les insultes. Fally l'a fait sans pourtant... Aléo, non, il a fait parce qu'il a travaillé. Parce que ses chansons sont très bonnes. Pour ne pas dire bonnes, sont très 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 bonnes même.
Le message est passé partout. Et aujourd'hui, les fruits, ce sont des fameux shows. Parce que Fali ne fait pas de conseils, il fait des shows, mec. Et les messages et les retombées de tout ça, ce sont des disques d'or, des singles d'or, des chansons qui passent des horizons, les chansons Banzeboué qui n'est pas hors du commun. Ça fait parler tout le monde. Le capitaine, le roi, Monsieur Congo, la légende vivante, c'est une fierté. Il est une fierté pour la musique congolaise. Si Fali n'existait pas, qui allait nous ramener un disque d'or en international d'un album rumba? Quel est cet artiste? Parce que tout au bon moment, on va mettre un album rumba et Simba Kate. Il n'y a que des albums rumba de Fali et Simba. Contrôle. Former cet aujourd'hui, les albums rumba. Ils ont beaucoup formé cette na choqué dans mon cœur. Beaucoup qui ont formé cette ils ont tekama koleka tokos 2. Formé cette tokabo mono ya rumba lingala. Ils ont tekama koleka tokos 2. Ti les lois ala certifié si comme rotaire. Mais l'icolo est zubor na tokos 2. Amor est zubor na tokos 2. Tokos 2 comme ce qu'on panza na bo mona lobby na France ba bloro na l'icolo single d'or bo mona Amour et single d'or en France. Bon, mon asiko yo, un coup single d'or. Bon, mon. Tokos, bon, ka single et album de platine en France. En international, double de platine. Avec le temps. Comme on parle des disques d'or, avant de parler de Maître Vincent Tulise pour choquer après cette allocution du Snap, je vais lire pour vous. Photo de Makegepara. Fali Ipupa, Electra Music France, Warner Music, nommé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes, Fali est un emblème de la musique congolaise comme de la francophonie sur la scène internationale. Après 6 albums multiples certifiés, son dernier projet Formule 7 et ses tubes Bloqué ou Made cumule déjà plus de 100 millions de streams en international et est déjà certifié disque d'or à l'expo. Amore et Licolo en feat avec Nino sont deux nouveaux singles d'or expo. Issus de son album Tokos D. Donc les deux chansons là que je viens vous dire dans Tokos D. Fali Ipupa est notamment l'artiste le plus streamé de tous les temps sur la plateforme africaine de streaming Boomplay de tous les temps, l'équipe artiste est tout et monde. Avec des collaborations pressées, incluant Wizkid, Diamond Platinum, Youssoundo et bien d'autres, Fali Ipupa est incontestable. Une superstar internationale remplissant le plus grand et le plus grand stade aux arénas à guichets fermés. Sa tournée en 2023 inclut notamment Kinshasa, 120 000 personnes, Douala, Bruxelles, Londres et Paris, faisant de lui le tout premier artiste africain francophone à remplir la prestigieuse Paris La Défense Arena devant plus de 40 000 fans. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas les Warriors. Snap. Snap France. Snap France. Mesdames et messieurs, on doit avoir des chairs de poule. Quand on lit comme ça pour un enfant du pays. Pour un Congolais comme toi et moi, pour un Africain comme toi et moi, pour un Africain francophone comme toi et moi, on doit être fier, on doit avoir de la chair de poule. C'est pas moi. C'est pas moi qui écris ça. C'est pas moi. C'est les Snap. On doit être seulement fier de cet enfant du pays. Je perds mes mots. Je ne sais plus quoi continuer cette émission. Tout ce que je viens de lire vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Bon, on va répondre encore. Snap dit. Snap Music France.
C'est Snap qui certifie, c'est Snap qui contrôle les ventes de tous ces artistes-là. Fally Ipupa, Electra Music, France, Warner Music, nommé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes, Fally Ipupa est un emblème de la musique congolaise comme de la musique, comme de la francophonie sur la scène internationale. Après 6 albums multiples certifiés, son dernier projet Formule 7 et ce tube Bloqué ou Mayday cumulent déjà plus de 100 millions de streams à l'international et est déjà certifié, non bien, certifié or à l'expo, donc disque d'or à l'expo. Amore et Licolo feat. Nino sont deux nouveaux single certifié d'or expo issu de son album Tokos D. Fally Ipupa est notamment l'artiste le plus streamé de tout le temps sur l'application africaine de streaming Boomplay. Donc le tout le temps l'équipe à tous les artistes du monde. Avec des collaborations passées incluant Wizkid, Damon Platinum, Youssoundou et bien d'autres. Fally Ipupa est incontestable et incontestablement une superstar internationale remplissant le plus grand stade aux arénas à guichets fermés. Sa tournée en 2023 inclut notamment Kinshasa, 120 000 personnes. Donc on parle du stade de martyrs. Douala, Bruxelles, Londres et Paris. Faisant de lui le tout premier artiste africain francophone à remplir la prestigieuse Paris La Défense Arena devant plus de 40 000 fans. C'est pas moi. On doit respecter ce mec. Si on est africain, on doit lui respecter. Si on est africain francophone, on doit lui respecter. Si on est congolais, on doit lui respecter. Il mérite un grand respect, ce mec. Cet enfant du pays, cet enfant du continent mérite un grand respect. Il mérite un grand respect. Aimer Fally ou ne pas aimer Fally, il faut accepter, connaître ses prouesses, son travail, son savoir-faire. Je sais. Il y a des gens qui sont là toujours à refuser. Mais on doit se dire des vérités. Le tout premier album rumba de l'histoire à être certifié. Disque d'or en international. Le tout premier. J'ai bien dit le tout premier album rumba. J'ai des frissons quand je parle parce que je sais Fally. Nakutananae, Prez, Nasolaranae. On peut lui voir comme ça, mais c'est un grand homme. Hein. C'est une grande personnalité. Donc, Azamutumoroboué, je suis fier de lui. Et quand je vois des inconscients, pour ne pas dire des idiots, venir lui insulter, dénigrer, j'ai dit, mais est-ce qu'on est des personnes? C'est un héros, c'est Fally Ipupa. Quand je vois tout ça, on a bah internet, bani, nobi, mais. J'ai dit, mais. Ces gars. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais. C'est pas grave. Nous allons faire un travail. Le travail des défenseurs. Et nous allons faire le travail pour sauver l'image et la musique congolaise. Toko sala yango. Bolinga bolinga te toko sala yango. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission parce que je suis choqué de voir tout ce que je suis en train de lire et ce qui se passe. Le tout premier album rumba de l'histoire de la musique à obtenir un disque d'or certifié.
Fali Poupa Mokonja ba disque d'or. Prenons la dernière vidéo, écoutons très bien ce que la personne va dire, Vincent Tulizi, à ce qui concerne ma campagne Oyo, de la façon à Zoloba, malgré tout ce que Fali Poupa fait pour notre pays. Prenons la vidéo maintenant, et puis je vais parler un peu, et puis nous refiler. Prenons la vidéo maintenant. Natchasson, prenons la vidéo maintenant. C'est-à-dire, musique a Fali, n'est-ce pas ici, ni ma mine à battre. Ma performance au Rassi à Sali. Ils ont compris que ma courassou y a monté. Parce que ma gueule a marabalo, aïe, bon, y a batté. Aïe, ça va danser. Aïe, ça va, ça va, ça va. Mais ma comprendre que Aspana et Simba sauté. Ils se sont maintenant décidés. Y a un lugar où détruit l'image y a Fali sur le plan y a comportement. C'est-à-dire, bah, il s'a Fali n'a pas tout. Et leur cible, c'est-à-dire leur moyen de communiquer, c'est la presse. C'est-à-dire que nous tous abouillés et les influenceurs. Donc ils utilisent la presse et les influenceurs. C'est-à-dire que le fait que Fali n'a pas mounaillé pour des raisons personnelles, là, à mon avis, que, il faut que moi limite nous entre la presse locale. Pas besoin de l'écart dans la presse locale. La presse locale, voilà, comme dans la position déjà, m'a dit que Bissot Fala tcha limite nous. Non, on va clair. Hein? Comme presse locale m'a dit que Fali a tcha limite nous et pas la Bissot. Par rapport à ma raison, là, maintenant, ces gens-là, je comprends que presse ou un influenceur dans la position de Mouroboué, déjà il y a mes contentements vers Fali. Il y a un de refait que ça va dire ce qu'il y a d'autre. Il y a quelqu'un qui est et l'autre Mouroboué. Il est jaloux. Fali ou un amte à ma bé. Fali ou un aboué, Fali ou un aboué, Fali ou un aboué. Alors, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a un chroniqueur, un influenceur, il va propager facilement. Je donne l'exemple, par exemple, que Nelo Ferrego là. A vous mettre en concert, il y a vie. Mais si tu as dit, tout le monde fait rigolo, bah, tape-toi les qui sont en vie. Pour changer le monde, il faut changer les matériaux. Perdre. Il y a un bétro. Il y a un côté même en prison. Après ça, il y a un peu de passe. Faire un truc, il y a un petit frère. Après ça, il y a un peu de passe. Comment est-ce qu'on peut faire pendant qu'ils ont préparé l'événement? Moi, je suis là, je suis bah, je suis sale, Adidas Arena. Si vous faites des fois un musicien, je suis un poteau. Faire la coûte à la contrainte, il y a ma visa. Pour des raisons X. Des raisons non professionnelles. Mais comme dans la stratégie, moi, il n'y a pas de faillite. C'est-à-dire, le comportement est comme si je suis un peu ma vie. Je suis un problème, il faut faire la coûte à ma visa. Je suis un faillite. Je suis en train de dire que je suis bien. C'est si. Maladie si on fallu. Donc pour que Batouba y n'a fallu. Maoua. Il y a un peu de concert, il y a un peu de 70 visa. Et comme il y a tout, il y a un peu de influencé pour que ça va mon visa. Et Batouba, ça y est, il y a un esprit. Ah, fallu. Fallu à mon thème, ma bé. Chanson en balayé ça. En fait, ce qu'ils ont compris que la musique, tu vas gagner. Bah, comme la victime, là, c'est victimisé. Il faut qu'on va nous attaquer. On appelle ça la victimisation. Et là, même équipe a fallu, il y a communication, on va faire très attention. Parce que l'homme est trop négligent. Au moment où on a été, l'homme est trop peu, on a été. Jamais, tout le monde on a été. Parce que comme il est bon, au moment où par exemple, il y a une minute, il fallait assurer. Il y a un disque d'or. Ah, fallait à Sili. Disque d'or. Fallait à Sili. Disque d'or. Donc, maintenant, il y a une campagne, moi, au Salama, il y a, c'est-à-dire, campagne, moi, maintenant, orchestrée par Yabat. Je n'ai pas les noms des artistes, mais bon, ça, on a pas preuve. Oui, Bibango. J'ai compris. Le game des autres. Oui, Bibando, tu vois, non. Il y a un petit nom, il y a un petit sorcier. Il y a un slogan, le petit sorcier. Il y a un petit sorcier.
producteur Michael Jackson ou d'ailleurs là producteur ou ancien producteur à Michael. Moi ma personne ce que tellement campagne les faut pas il s'est fallu na public ma il s'est fallu ma bébé ma misini pendant que bande on a vu son couffre Rwanda. Président la biche oiseau condamné Rwanda, oiseau sing à France, va condamné. Maintenant, il fallait que vous affichiez pas Macron. Ça dit, c'est ça, campagne, bon, c'est la fallu. Là, j'ai ma tresse, voilà, ta fallu. Ça dit, c'est vraiment, bon, tiens, mon caté. Et ça, comme pire. Ça veut dire que le but, c'est faire haïr, mais la fallu. Comme dans la musique, n'a été, t'aurais si rien été. T'aurais si vous diminuez. Au fur et à mesure, ton plateau diminué, bah, ou rien, bah, ça va, bah, tu bélé, ah, ça va, bah, tu bélé, à ma casse. Ah, au milieu, si vous signez, Stade de France. Comme on les mouvats qui ont révélé à vos bêtes à vous. Là-bas, si c'est tout, ça, là-bas, les banques sont trop bêtes à vous badager. Mais vous signez ça, les fonctionnaires, et là, tant qu'on les musiciens, on a douté. Mais il y a un mot signé, madame Bakou. À signer, peut-être à l'obéir, mais à au salamou. C'est-à-dire, comme ils ont compris qu'ils vont descendre, ils étaient. Ils ont bébé, ça image naïe. Moi, je vais dire, non. Ok, je vais dire, je vais dire, les abattus sont sous la loi bien, ceux qui ont besoin d'occasion. Nan yamwa kubo ya les lois à la mi à président. Mais tomber là ta maïta. Musicien ni na kubo. Mais tomber là ta maïta. Mais lelo, on veut faire voir aux gens que le fait que Bobo n'a fallu kuna talan ngazo azo que ça n'a pas éliminé la mission. Mais musicien ni on se n'engaza na ngana émission lelo. Musicien ni on soit commentant Bobo n'a fallu place ouana. Alors il veut qu'il fasse aïe. Voilà. Mais comme ils ont la été, comme ils ont fallu, ça fait mal. Pendant que les bichons ont commencé à faire fallu à Sili, mais un étranger, Azolo Babi, n'a pas si mboté, n'a pas si légende mboté. Il fallait que je me pose ça à ma année. Voilà. Il fallait que les bichons ne te reconnaître et fallu à la Nilou, il a commis bête noire, il a battu Nyonso. Tout seul, là, tant que le bagage. Voilà, mesdames et messieurs, Vincent Tunis vous a expliqué. Aujourd'hui, moi, je vous parle chaque jour. Hein. Fally doit rester à sa icône. À l'équipe des musiciens, tout au bêta musique na Congo. Fally à l'équipe en Nyonso. À l'équipe en tout. À l'équipe en tout pour la rambounion sur Oyasali. Mais nous, on va jamais laisser Fally. Trotikaka jamais Fally pour pas à Kweya. Beaucoup bandolo babanda le loti lobby. Donc, en parlant de l'Est, Fally pour pas à deux concerts de. On peut s'appeler Badon, Nabete Labino, vite fait. Fally pour pas. Aza, il a deux concerts le 19 mai 2024 à Bukavu. Résidence Hôtel, Fally Poupa, à part ça au Salabadon. Et puis Aza, le 17 mai, na Goma. Donc Fally Poupa à Goma, Fally Poupa à Bukavu. L'enfant du pays arrive. L'enfant du pays arrive. Et c'est ça. Contrairement à la vérité, faire à l'obara sur Abetista de martyr, après sa recette, 20% à Goma, si le lo faire à Kenda Goma, plus d'un an déjà, en auto Kende, depuis Abetista de martyr. Contrairement à faire à Otsobeta Adidas, en Piaka, à l'obara, on paie 20% à Batoa Est, depuis musique qui a couru Banda, faire déjà à ça dans Wapi. Ça, maintenant, c'est la vérité. Fally, on connaît tout ce qu'il a fait pour l'Est et il continue à le faire. Fally Poupa est victime de son succès et victime de sa réussite. Mais on a de la chance. On a de la chance que Dieu ne dort jamais. Il a donné à Fally Poupa sa fanbase, une fanbase solide, bah warrior. Et puis, Baza Maele, à part ça, Apesi Bango, Apesi Fally Bamastor, des gens qui sont là pour lui défendre, pour dire la vérité. On ne défend pas que Fally Poupa, on dit la vérité. On dit des choses telles qu'elles sont. On parle des vraies choses.
On fait des vraies choses. On est fier de cet enfant du pays. On est fier de lui. Et on restera fier de lui. Merci encore, Aigle, pour le boulot Oyo. Merci, Aigle, pour la récompense. Merci. Bisoutouza na simana yo. Pour soutenir yo. LDLC Arena Rokende Kitoko. Marambo Leka Nenge Sengeli. On va finir avec une vidéo de fanatique en train d'annoncer la date LDLC Arena et Arke Arena et puis ton vidéo émission. Donc, toujours, Bafan a fallu pour pas les Warriors. Toujours l'attaque pendant la vidéo maintenant. Salut à tous les Warriors du monde, des meilleurs fans. Marc et Fiche avec élégance. Après, on va continuer dans des cas où on a. Il capte la merveille. Ça se voit qu'on a des événements qui sont au Boyébi, les 6 à Lyon. Le 13 à Bordeaux, ma frère moi est ce côté. Donc on l'indique là, qu'on met la vie sur dans la commentaire, la publication, tant qu'on a un qui est Kitoko. Tous les warriors, vous pensez à quelqu'un, tous les carabamones, la macassi, tous les carabamones, la marambou, tout ça, tout le monde, la marambou, la paix, tout ça, tout le monde, essayez pas la chose à la rater. Les gars, on a peur de la fière, et on a peur de la fière. Et c'est un biso, donc, maintenant, vous finissez, maintenant, vous voilà, élégance, courage, frère. Nazoya, ton Koutana, ton Salaba Business, ton Teki Sabati Chant, j'ai venu à propos le 1er juillet dans un Schengen. On a tiré la moitié de semaine et demie parce qu'il faut que nous avons un bandeau Sababoulou, on n'en a pas à côté. Donc c'est avec ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Partager cette émission, faire passer le message du disque d'or de Fally Ipupa. Partager cette émission partout dans vos pages respectives, faire WhatsApp, Facebook, faites tout ce que vous voulez. Et aussi, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Je suis votre bel et bien humble serviteur. Le général Master, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, porter parole de tous les warriors dans le monde. Donc, Totirali Bongo, on va continuer à travailler, on va continuer à faire des choses. Et nous allons vraiment travailler. Et merci encore à Aigle pour ces fameuses certifications. On est fiers de toi. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Aigle en matin. Bah, Warrior, toujours d'attaque. Bisous, bye.